Loulouloulou. Quelle musique incroyable. On est reparti. Du coup, c'est The Lemma maintenant. Oui, j'avais un blessing. Bon, ça va. On a Hive Mind pour booster la puissance de nos mouches. Et Holy Light, c'est pas dégueu. Commence en plus avec une luck positive. Hein. Et normalement. Normalement, quand t'as 0,33, c'est comme si t'avais 1. C'est toujours arrondi au-dessus, hein, Isaac. Il casse les cailloux monstros, je me souvenais plus. T'as TP bleu. Ah, ça va pas forcément être facile de choisir, parce que TP bleu, il y a des optiques cool. Mais monstro, au début, il est quand même assez fort, quoi. En début de run. Hein. Je sais pas, là, si c'était la TP dorée, j'aurais pris pour farmer. La TP bleue, c'est moins vénère comme farm. Il y a moyen de savoir sur quel jeu il y a le Steam Cloud. Peut-être que dans ta liste de jeux, il y a un filtre Steam Cloud activé. Que Steam a des listes préfaites. Alors que c'est pas forcément des listes que tu as créées. Ok. J'ai pas de cœur rouge, mais. Je chope des ressources. Beaucoup de bombes. Beaucoup, beaucoup de bombes, des batteries. Alors, du coup, s'il ouvre. Est-ce qu'il ouvre les secrets? Si on sait où elle est. Putain, elle est spot de con encore là. Elle peut être là à la limite. Ah, oh, c'est de la merde. Bon, je sais pas pour la TP bleue. TP bleue, c'est quoi? C'est Challenge Room. C'est Curse Room à demi-cœur. Peut-être mieux. Mais bon, c'est pas non plus complètement pété, quoi. Allez, va pour la Dark Room, on descend tranquille. Ah, c'est plutôt un bon début. Hein. Les stats sont assez moyennes d'ailleurs. J'ai bien tilté. Les stats sont. On a un bon tirate, mais. Les stats sont plutôt corrects. Rien de transcendant, mais c'est pas non plus nul. 3,50 de dégâts. 1 de speed. Autour de cette salle. Dégage! Ah, vous savez ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Erreur de ma part. On pourra le faire après. Je vous ai pas montré mon booster du jour. Enfin, terrible. Terrible erreur. Faut qu'on ouvre le booster là. On veut les dracs au feu encore. Hein. On veut drac au feu. Oh, pourrait être la secrète, peut-être là-haut. Ou en bas plutôt. Yes. On va mettre les boosters de côté. Non, en fait, il faut les ouvrir tous les jours, sinon tu les perds entre guillemets. Bon, y a un timer et le timer il se dépense pas tant que t'as pas ouvert tes boosters donc. Tu peux en garder deux max, je crois. Et après, le timer, il s'arrête. Je joue à Pokémon. Je joue pas beaucoup. J'ouvre mes boosters et pour l'instant, je me bats contre l'IA. Les élèves, ils jouent dans mon bahut.
Je vais faire un booster en cours. Ah super. Bravo les profs. Excellent. Pokémon, ça marche encore à l'école aujourd'hui? T'as quoi comme niveau? T'es au collège ou t'es au lycée? Ça fait vendre aux jeunes encore. Moi je pensais que ça touchait plus que les trentenaires maintenant. Lycée, ok. Le bébou, les batteries, ouais. Je suis rentré dans la Pokédrogue. Et c'est satisfaisant d'ouvrir des boosters, c'est normal. Ils me veulent en ami, mes élèves. Les Clem. C'est vrai que les échanges, ils veulent implémenter les échanges aussi. Ça parle de Pokémon à l'aide, désolé! À la fac, il y a la moitié qui joue en amphi. Non mais à la fac aussi, tu peux jouer à n'importe quoi parce que tu te fais chier. En amphi, c'est normal, tu peux jouer à n'importe quel jeu. Et Dartissou? Tu savais, en pleine nuit, c'était quand il y avait Shigan à la télé. T'as regardé quelle chaîne? Shigan en pleine nuit? Attention. T'es en clair? Ok. On va pas jouer des dés. Oh, ça booste le dégât. Ah ouais. Ah ouais, la médaille qui booste le dégât, quoi. Il faisait des trucs avec des bugs. Ah, mais à la télé de l'internet. Shigan a un interglitch. C'est la clé pour Hush, ça, non? C'est pas fou, la clé pour Hush. Une TP super secret, ok. En train de faire des crêpes. Oh, let's go. Combien les crêpes là? Ah, Pandora's Box aussi. Ah bah écoutez, si jamais par miracle on tombe dessus. Un objet de shop. Bon là j'ai un XL donc déjà j'ai un shop au moins. Mais c'est un objet de shop donc ça pourrait. Je vois un item sur ma minimap. C'est quoi l'item? Ça brille là sur ma minimap. Il est où l'item? En plus, s'il est en haut, je peux le choper, non? En haut, il y a un caillou, je crois. En haut, il n'y a pas de trou, je crois. Putain, en haut, il y a un trou. Après, c'était... Après, c'était soy milk. Oh non, je peux pas le prendre. Je peux pas le choper. Regardez, il est caché, il est bloqué. Dommage. Putain, dommage, quoi. Il est coincé. Oui, avec Holy Light, ça fait plein de larmes, c'est vrai. Certes. Et bon, faut aussi du damage pour que Holy Light proc. Ok. Pas mal, ça. Bon bonus de T-Rate. Bon, il n'y a aucun ennemi qui a spawn sur les côtés, donc il n'y a pas de secret dans cette salle. Il y a peut-être une échelle au shop. C'est vrai. Non mais c'est vrai que peut-être qu'on va quand même l'avoir cet item. Écoutez, si on peut le prendre... Je vais pas faire trop d'efforts, mais si on peut le prendre, je vais le prendre. Ouais, voilà. Si on trouve le moyen d'y aller, on y va. Je vais pas faire beaucoup d'efforts, genre je vais pas commencer à farmer toutes les cartes ou je sais pas quoi. Mais si par hasard ça passe, let's go quoi. Il va y avoir une Angedman au shop. Oui, alors attendez, parce que s'il y a mieux... Alors s'il y a un objet à 15 balles, je vais pas mettre 5 balles dans une carte qui peut-être me donne le vol. Hein. Je vous préviens.
S'il y a mieux, s'il y a mieux à 15 balles, s'il y a une carte et qu'il n'y a pas mieux, on peut prendre la carte. Mais s'il y a mieux, on prendra la prio à l'item. Hein. S'il y a la Pandora's Box. Du coup, ça fait quoi la clé avec la Pandora's Box? Ça fait toujours un item? C'est quoi l'astuce? Faut quand même l'ouvrir à Womb ou... T'as 6 items banger. Ah, donc on veut vraiment la Pandora's Box de ouf, ok. Et il n'y a pas de restriction des tâches, c'est toujours pareil. Intéressant. Ouais, je sais pas si ça m'est déjà arrivé en fait, je me souviens pas. J'ai déjà eu Strinket avec la Pandora's Box. J'ai tendance à oublier qu'il fait ça et je le considère comme un trinket pour ouvrir Hush, du coup. C'est rare que je m'en serve. Est-ce que je veux card reading? Je sais pas. Hein. Ouais, allez. Why not? Et là, j'ai tout ouvert. J'ai mes deux items et tout. On peut aller au boss. J'ai pas trouvé ma secret et ma super. Je crois qu'il y ait deux shops en XL, ce serait quand même bien. Moi, ce serait chiant pour la génération d'étages, mais ce serait confortable pour nous joueurs. En HP. Raté. Putain, mais il a rebondi. Talon. Deux fois, quoi. Nice. Bien sûr. Bon, je farm vite fait pour le soy milk. C'est pour toi, ça. Hein. Pour toi, viewer. Pour toi, public, comme disait Franck Dubosc. Encore! Encore la bague! J'ai des frissons. À cause de la mention de Dubosc ou... un supermarket, genre un shop plus grand. Ah, ce serait rigolo, un shop avec un peu plus d'items, ouais. Genre le shop de Grid. Après, il faudrait qu'il spawn d'une certaine façon, parce que ce serait un shop spécial. Mais... Il passait souvent au boulot sur Rire et Chanson, j'en pouvais plus. Comment ça, au boulot sur Rire et Chanson? Mais trop pour toi, public, quand j'étais petit. Mais c'était pas un de ces spectacles, moi. C'était une émission? Moi, c'était un spectacle, non? Je crois que c'était un spectacle. Il y a TP bleu qui aura enfin servi. Il a l'air trop bien Dragon Age. Il a l'air très action. Il a l'air vraiment très action par contre. Je sais pas si ça me plairait moi. Bah, c'est sympa mais... Il a l'air d'être quand même beaucoup beaucoup action. Ok, il est joli, j'ai vu de ce que j'ai vu. Très joli. Bon bah c'est bon Soymic là, j'ai tout donné là. Rip, hein, désolé. S'il était moins action, t'aimerais pas? En fait, j'aime bien les computers RPG, mais ouais. On parle de Dragon Age. On parle des jeux woke. Il est sorti, ouais, il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air joli, c'est ce qu'on disait. Mais assez action, donc je sais pas... En fait, les RPG, Julien, j'aime pas les JRPG, les trucs du farm, mais je sais pas, par exemple, Skyrim, j'aime beaucoup, quoi. Donc,
si c'est un peu action comme Skyrim, mais ça a l'air d'être beaucoup plus action que Skyrim quand même. Ça a l'air d'être vraiment mid bourrin quoi. Limite hack and slash. Les God of War, c'est vrai que les God of War du coup maintenant sont sur PC et ça me fait de l'œil, mais ils sont un peu longs. Ils étaient un peu longs pour que je les cale dans le marathon des 30 ans, mais... Mais God of War, ouais, j'ai très envie de les faire, ouais, sur PC là. Plus bourrin façon nouveau God of War, donc c'est ça. Donc a priori, ça a l'air d'être un peu quand même plus presque hack and slash, quoi. Dragon's Dogma, je connais pas du tout la licence. J'ai pâti avec le tracteur beam. De toute façon, la TP bleue, elle sert à rien. Faut que je prenne quoi? Ok, on peut aller au boss. J'ai pas dû garder monstro, hein. Ok, on a une carte jugement inversée. Ah, ah putain, j'ai envie de la prendre, l'orbe. Hein. Ça me fait mal, ça. Horizon. J'ai envie de faire le Horizon Lego. Mais j'ai pas du tout envie de faire le jeu Horizon. Bon, je vais prendre la orbe et on va reroll ici, quand même. L'étoile, c'est quand même un peu fumé, hein. Let's go. Il y a un roleplay sympa. Ouais, il y a un côté RPG de ce côté-là, ouais. God of War, j'ai très envie parce qu'ils ont l'air bien, les récents, là, les deux. J'ai fait aucun des deux parce que le premier était déjà sorti depuis un petit moment sur PC. Mais... mais ouais. Je pense qu'on va les faire. Il y aura des sessions. Il y a un remake de Horizon récent. J'ai vu qu'ils voulaient l'annoncer sur la PS5 Pro ou un truc comme ça, non? Il y avait pas un truc chelou dans le genre? Je me demande s'ils l'ont pas annoncé pour la PS5 Pro. C'est vrai que n'oubliez pas que la PS5 Pro existe, hein. Existera, elle n'est pas encore sortie, mais... je vais où, moi? Faut que je trouve juste mon shop, là, en avance. La remaster a de moins belles couleurs que la version de base. Ah ouais? On a retenu son prix. Petit 800 balles, là. T-Rex. Au bout de 35 heures, Death Stranding, ça devient bien. Donc c'est bien à un moment. Ça veut dire que ça devient bien, c'est déjà pas mal. À 800 balles la play, c'est quand même énorme. Oh, ok. Les compteurs. Intéressant. Horizon, ça devient... Horizon, je pense que c'est pas des mauvais jeux, mais c'est vraiment pas mon style de jeu. C'est vraiment le genre de jeu à l'ancienne Ubisoft Assassin's Creed où tu... Enfin... Où tu fais que farmer la map, t'as 12 millions d'objectifs, machin... En fait, j'ai trop donné dans ce genre de jeu, j'en ai marre.
Mais je sais pas, c'est pas des mauvais jeux quoi, mais à l'époque, j'ai full bourré Far Cry 3 par exemple, qui est exactement comme ça. Mais parce que c'était encore c'était un peu le début de cette époque-là. C'était encore le début de cette période où t'avais que les mêmes styles de jeu. Et pareil, oh putain, j'ai envie de faire... Attendez, je me softlock si j'utilise l'empereur là ou pas? Non, j'arrive à Mom, j'arrive à Womb 2, j'arrive à un boss de Womb 2. Je me softlock pas normalement. Parce que moi je veux ça là. Ah, c'est bon. Voilà. Je veux ça et pas faire mon boss rush. J'aurais pu faire le boss rush, ça aurait pas été grave, mais... Mais là, si je peux faire ça, c'est mieux. Mais ouais, du coup, voilà, Horizon... En fait, j'en ai trop marre de ce style de jeu, entre guillemets. J'ai trop donné, maintenant je veux des jeux que je peux faire et finir vite, et puis on passe à autre chose, et tu vois, enfin... Voilà, quoi. Bon, je vais pas prendre des blinds, parce que j'ai pas tant dit que ça. Et pourtant, vous voyez, j'en ai donné. J'ai donné Far Cry 3, je l'ai 100%. Enfin, J'ai fait genre de trucs, tu vois. De farmer. Mais là, ça m'intéresse plus du tout. Et je me connais, en fait. J'ai cette tendance à être matrixé par les... Par les objectifs, les points d'intérêt. Ouah, putain. Et du coup, quand il y a un point d'intérêt, je vais vouloir le faire, tu vois. Et du coup, je vais jamais progresser. C'est pour ça aussi que j'aime pas Witcher 3. C'est que j'arrivais pas à jouer au jeu, en fait. Genre, vraiment, à chaque fois, il y avait trop de trucs sur la map. J'étais full perdu. J'arrivais pas à faire des quêtes principales. Et... Parce que j'ai ce problème de... J'ai envie de clean, tu vois, j'ai envie de clean les objectifs. Et du coup, bah, j'étais perdu, quoi. J'ai fait une run. 100% Witcher 3. Ah ouais, moi, je pourrais vraiment pas, quoi. Est-ce que je suis Léviathan, là? Non. Je suis en secret. Je sais pas si ça me rapproche. Le backseat des persos. Ils ont pas mis des options pour calmer le jeu? Ils avaient pas mis un truc pour que ça se passe moins? Pas sûr que la secrète soit intéressante vu que l'étoile était partie à gauche et que je dois retrouver ici. L'étoile est là. Dans Horizon, c'est dingue le backseat. Ah ouais. Après, j'ai envie de dire, voilà, si tu trouves en moins de 2 minutes, on te backseat pas. Faut être meilleur, hein. T'es le pire connard. Coucou Nimelia, hello. Ah, ça va. Putain, mais j'ai... Putain, je tire plus de l'arme. Parce que j'ai pris Tech 2. Mais que j'avais aussi un clou dans l'œil. Du coup, j'ai plus de brimstone. En fait, c'est une larme qui n'existe plus. Puisque maintenant, ma seule larme qui est censée tirer, c'est la larme du Tech 2. Quelle idiotie aussi. Bon, heureusement, on est quand même pété. Hop. Encore Delirium. Vous voulez qu'on fasse un Delirium, un de ces quatre là? On le fait plus là. Avec l'étoile, on peut faire un Delirium, je pense. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de faire Delirium? Surtout que je me suis nerf là, j'ai mon... Ah, j'ai la flemme.
J'ai que mon tech 2, j'ai plus mon brimstone, donc non. Tant pis. C'est une win. C'est une win. Incroyable.